Salut bande de merdeux. Bon les plouques, comment ça va? C'est parti pour la petite intro de base. Est-ce que vous commencez à la connaître par cœur mon intro? Venez, on la fait en même temps. 1, 2, 3. Salut les plouques, enchantée, moi c'est Lily et toi, dis-moi ton prénom en commentaire. Voilà. Bon, aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait parler de trucs croustillants. Aujourd'hui je me suis réveillée et je n'avais qu'une envie, c'était de me laver. Et mon autre envie était de filmer, du coup je me suis dit, je me lave et je filme direct. Du coup, je vais en même temps me maquiller, j'ai toute ma petite panoplie. Enfin, en vrai, je mets que du mascara à la limite, mais bref. Et en même temps, j'ai décidé que j'allais répondre à vos questions indiscrètes. Je vous ai demandé de me poser des questions indiscrètes sur Instagram, du coup, on va y répondre en même temps que je me prépare. Alors, je me munis de mon petit ordinateur. Ah merde, c'était pas sur cet ordi. Alors, première question, ton rapport avec la pilosité. Alors déjà je vais commencer par m'appliquer une petite crème de chez Laneige, donc de base c'est une crème de nuit, mais j'ai oublié ma crème de jour chez mon père, donc écoutez, c'est pas grave. Du coup mon rapport avec la pilosité. Alors déjà moi depuis toute petite en fait j'ai vécu dans une famille qui prône de ouf le féminisme, donc on est à fond féministe, que ce soit mon père, ma mère, etc. Mon frère moins parce qu'il est jeune, il comprend moins je pense l'impact et la profondeur de ce combat, mais en soi genre il est féministe, il est loin d'être sexiste, il l'est pas du tout, sinon vous inquiétez pas. On arrête des questions avec lui. Personnellement, je trouve que les poils, c'est pas un sujet de société, mais c'est un sujet personnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, alors oui, je me brosse les sourcils avec une brosse à dents. Les poils, c'est hyper personnel, dans le sens où, en fait, les poils qu'il va y avoir sur une personne, c'est pas du tout le même rapport que j'ai avec les poils qui vont être sur moi. C'est-à-dire que, perso, je n'aime pas avoir de poils. J'aime bien avoir les jambes toutes épilées, pareil pour mes sous-bras, etc. Mais si je vois, je sais pas, on est à la piscine, à la mer ou quoi, avec des potes ou même des inconnus et que ces personnes décident de ne pas s'épiler, bah ça va me faire ni chaud ni froid, genre chacun son corps, chacun ses poils, genre en fait je m'en fous, en fait je sais pas pourquoi, je sais pas comment dire, mais chacun son corps, tu vois, genre vraiment voir des gens pas épilés ça va me faire ni chaud ni froid. Après moi je préfère ne pas avoir de poils, mais chacun fait ce qu'il veut avec son corps, parce que bah chacun son corps, genre on n'a pas du tout à émettre d'avis sur un corps ou un autre, tout simplement. Next question, quelle est ton orientation sexuelle? Alors, dans ma vie, je n'ai eu que des partenaires masculins. Enfin, dit comme ça, on peut croire que j'ai eu plein de partenaires, mais loin de là, vraiment. Mais voilà, j'ai jamais eu d'expérience avec des filles. Enfin, j'ai déjà embrassé une fille, mais en mode un jeu, genre, vous savez, pendant les soirées, on fait des jeux, etc. Mais genre, j'ai jamais embrassé une fille par amour ou même eu des sentiments envers une fille. Mais voilà, après, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Qui sait, ça se trouve, un jour, je tomberai in love d'une fille. Enfin, après, je vous avoue un truc. Si jamais Selena Gomez un jour me DM sur Insta et me dit « T'es mignonne, viens, on fait un date », je dis oui, je n'hésite pas une seconde. Alors cette question, est-ce que j'aimerais avoir des enfants plus tard, est une question très importante pour moi. Pour mes proches, du coup, ils savent que, enfin pas tous mais certains, savent qu'en gros depuis maintenant ça doit faire 4 ans que en fait j'écris un journal. Mais pas en mode cher journal. Ce matin je me suis réveillée, j'avais envie de céréales. J'en ai mangé, j'ai réalisé mon rêve. Papillon. Non, pas ce genre de truc. Plus un journal où je vais écrire mes états d'âme, mes pensées, mes erreurs, mes réussites, etc. Mais avec à chaque fin d'histoire, tirer une sorte de petite conclusion, par exemple, ah bah là, tu vois, j'aurais pas dû faire comme ça, et du coup, je te conseille, toi, de faire comme ça. Parce qu'en fait, ce journal, je l'écris pas pour moi, mais je l'écris pour ma future fille. Parce que moi, mon plus grand rêve, clairement, c'est d'avoir une petite fille. De plus en plus, j'accepte l'idée que je ne peux pas choisir le sexe de mon enfant. J'ai compris, tout le monde me le dit. Et j'aimerais de plus en plus avoir une fille, de plus en plus tôt. Pas maintenant, mais peut-être la semaine prochaine. Non, je rigole. Maman, t'inquiète pas, tu peux dormir sereine, je n'aurai pas d'enfant avant 2023. Bref. Mais du coup, ouais, moi j'aimerais à donf avoir des enfants. As-tu un ou plusieurs crushs en ce moment? Et la réponse est tellement triste. Non, je n'en ai pas. Il faut savoir que moi je suis en école de communication. Et en école de communication, il y a vraiment deux gars dans ma classe. Donc déjà, voilà. Et j'aime pas trop en mode avoir des crushs de célébrité, parce que pour moi, en fait, ça sert à rien. C'est de la perte de temps, de la perte d'énergie. Genre jamais tu vas les pécho, tu vois. Après, forcément, il y a grave des gens que je trouve beaux dans les célébrités. Par exemple, je sais pas, Nate Archibald, etc. Genre juste qu'à les appeler, avoir un crush. Non, genre c'est trop... Un crush pour moi c'est puissant quand même, genre. De toute façon je suis en grand si j'ai des crushs. As-tu un petit copain et quel est ton type de garçon, de masculin, de mâle? Alors non, je suis 100% libre, même...
peut-être 200%, un peu trop, à mon goût. Et donc non, j'ai pas de petits copains et mon style de garçon. Pour moi, tant que la personne est propre, est drôle, intelligente et n'a pas la grosse tête, ne parle pas tout le temps de lui, ça je ne supporte pas les gens comme ça. Et bah, enfin voilà quoi, j'ai pas un type, c'est plutôt au feeling, à la personnalité. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que la personnalité est plus importante que le physique quoi. Quelle est ta pire honte? Alors moi, il faut savoir que je suis pas très gênée, entre guillemets. Par exemple, je peux grave aller faire mes courses en pyjama ou alors en tenue, genre avoir une grenouillère, etc. Je m'en contrefous, mais genre vraiment. Peut-être qu'il y a des choses que je fais où les gens seraient très gênés, mais moi je m'en fous. Quelle est ma pire honte? Oh, je sais. Oh my god, la honte. En gros, c'était une fois, quand j'étais petite, je faisais du roller. Et j'étais la plus forte, tu vois. Du coup, j'étais mise dans un groupe avec des personnes plus âgées que moi. Il y avait que des gars, genre que des garçons. Je sais pas, je devais avoir 8 ou 9 ans. Et en gros, on faisait genre du tremplin. En gros, on roulait et tout en rouleur. Et là, il y avait le tremplin et à la fin, on sautait, on faisait une figure. Enfin, bref. Et à un moment, je tombe. Et je tombe sur les fesses. Tu commences à sentir ce qui va se passer. Je tombe sur les fesses et là, vraiment, je commence à pleurer. J'avais hyper hyper mal et je me dis, ça y est, genre, je me suis cassé les fesses dans ma tête. Je m'étais cassé les fesses. Du coup, bah moi, premier réflexe, je me dis, faut que je regarde mes fesses. Ça se trouve, mes os sont sortis. Enfin bref, écoutez, on va pas me juger pour ça. Et du coup, je me dis, ok, je vais absolument aux toilettes et faut que je vois mes fesses. À quoi elles ressemblent? Et du coup, je vais aux toilettes, etc. Dans la précipitation de l'action et tout, je ne pense qu'à une chose, c'était voir mes fesses et j'oublie un peu tout. Vous voyez, il y a les toilettes individuelles et après il y a les lavabos, mais c'est en extérieur des toilettes, mais ça reste dans les toilettes. Je sais pas si je suis claire. Et du coup, je vois il y a personne aux toilettes, donc je me dis ok, nickel, je passe mon pantalon, je regarde mes fesses. Bon, elles étaient rouges, elles étaient pas... voilà, mais elles étaient pas cassées ou j'avais pas de sang ou quoi. Bon, la caméra a coupé à ce moment-là, mais je me devais vous raconter la fin. Du coup, je baisse mon pantalon parce qu'il y avait personne dans les toilettes, je regarde mes fesses et là j'entends des rires, je me dis... qu'est-ce qui se passe? Et je tourne la tête et il y avait des baies vitrées. Tout le monde a vu mes fesses. Un pouce, un like, un soutien. Est-ce que j'ai mes règles actuellement? Alors aujourd'hui tout de suite, non. Mais oui, j'ai retrouvé mes règles plus ou moins régulières. Enfin après, j'ai jamais eu des règles super super régulières. Mais donc oui, j'ai retrouvé mes règles, mais là tout de suite, quand je filme la vidéo, non, je sais pas. Est-ce que tu es payé par YouTube? Alors payé, c'est un grand mot. Mais on va dire que j'ai des pourboires. Oui, je suis payée par YouTube. C'est clairement pas des sommes énormes, hein, vraiment. Dites-vous que j'ai été payée qu'une fois parce qu'en gros, j'ai activé les trucs pour être payée très 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 tard. Parce que je m'en foutais et genre ça me faisait chier de remplir des papiers et tout. Et je me disais, de toute façon, je m'en fous parce que je fais clairement pas YouTube pour la moula. Mais j'ai décidé de les activer les revenus, etc. Parce que je rêve, mais je rêve de m'acheter un Canon G7X. Du coup, bah, pour ça, faut que j'ai de l'argent. Et du coup, bah, je les ai activés, mais vraiment, ça paye vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Après, si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous dise, par exemple, avec cette vidéo, j'ai gagné tant, cette vidéo, j'ai gagné tant, n'hésitez pas à me le dire. Mais après, par exemple, là, mes trois dernières vidéos ne sont pas monétisées parce que j'ai mis des musiques pas libre de droit d'auteur parce que je préférais le rendu. Et je préfère faire une vidéo qui moi me plaît et ne pas être payée plutôt qu'une vidéo qui me plaît pas mais être payée. Est-ce que tu as déjà embrassé une fille? Bah du coup je vous l'ai dit précédemment donc oui. Mais voilà, juste parce qu'on était en soirée, parce que voilà, mais jamais embrassé une fille par amour ou parce que j'avais des sentiments envers elle, non. Est-ce que tu as déjà vomi en classe? Ah oui. En gros, j'étais en CM2 et c'était vraiment la honte parce que j'ai toujours été très scolaire, mais quand j'étais en CM2, j'étais vraiment scolaire mais coincée du cul. J'étais très gênée de tout. En gros, c'était une fois, on était en sport et tout. Bah voilà, je me sentais pas bien et en plus, quand tu te sens pas bien et que tu fais du sport, bah tu te sens encore moins bien. Et je dis au prof, écoutez, faut que je me pose et tout. Il me dit ok, pas de soucis. Et là déjà je rôde devant lui, mais genre un rôde, t'as peur du coup. Et je fais des allers-retours entre les toilettes et la salle de sport parce que je savais pas quand ça allait sortir, mais je sentais que ça allait sortir. Et un jour, enfin à un moment du coup, pendant que j'étais en sport, je cours aux toilettes. J'ai pas eu le temps d'atteindre les toilettes que je vomis. Je vomis. Et là il y a ma prof préférée qui arrive. Et tellement gênée. Je sais pas vous, mais moi quand j'avais une prof préférée, genre en primaire et tout, c'était grave genre mon modèle à mes yeux. Et du coup j'étais hyper gênée et j'avais honte et c'était horrible. Est-ce que tu as déjà été bourrée? Maman, tu peux partir de la vidéo? Alors oui, j'ai déjà été bourrée et franchement c'était pas fameux. Franchement voilà, à savoir que maintenant je bois plus du tout parce que...
fait j'aime pas du tout comment je me sens après avoir bu. Du coup bah je bois plus. Mais voilà, j'ai déjà été bourrée. Si vous voulez savoir, c'était à la vodka et au jus d'orange, ou avec tout et n'importe quoi, même avec des shots. Mais du coup j'ai déjà été bourrée, et la première fois, j'étais bourrée plusieurs fois, mais vraiment pas beaucoup. Genre je suis pas une fêtarde du tout. Genre en mode j'aime bien aller en soirée, mais faire des soirées chill et tout, et pas aller en soirée pour me bourrer. Genre jamais je vais aller en soirée pour me bourrer la gueule. Je préfère 100 fois profiter de ma soirée avec mes potes en mode on s'amuse et tout, plutôt qu'aller en soirée pour boire et pour même pas me rappeler de la soirée. Et pour la dernière question, à quel âge j'ai mes règles? Bref, j'ai tout eu tard dans ma vie. Même mes seins n'ont toujours pas poussé, j'ai 19 ans. Yes. Du coup, j'ai eu mes règles, il me semble que c'était à 14 ans, je crois. Mais à vrai dire, j'ai même pas trop de souvenirs. Et la première fois où j'ai eu mes règles, trop bizarre. Genre, pour moi, c'était trop bizarre comme sensation. Je me rappelle, j'étais à Bandol, du coup, c'est dans le sud. J'étais en vacances avec mon père et mon frère. On était à l'hôtel. On était à l'hôtel en vacances, mais à ce moment-là, on n'était pas à l'hôtel. On était au marché. Je me rappellerai toute ma vie. Et je venais de m'acheter des chaussettes. Et on rentre, on prend la voiture pour retourner à l'hôtel. Et là, je me dis, mais wesh. Lit, t'es en train de te pisser dessus et t'as même pas le contrôle sur ta vessie. Genre il se passe quoi? Et du coup moi je commence à me dire que je vais mourir, que j'ai plus la force pour contrôler mes muscles, etc. Et je commence à paniquer. Mais je tilte pas que c'est mes règles. Et du coup j'arrive à l'hôtel, je vais vite pisser en pensant que bah faut que je change de pantalon, que je change de culotte parce que je me suis pissée dessus. En fait je regarde ma culotte et je vois que c'est tout rouge, tout rouge. Et bah du coup bah j'ai vite compris que j'avais mes règles parce que je savais très bien ce que c'était, enfin mes parents en avaient parlé, parce que c'est pas du tout un sujet tabou d'avoir ses règles quoi. Et voilà, super. Bon voilà les plus hauts, que j'espère que vous avez kiffé, que je me confie un petit peu à vous. Dites-moi si vous voulez une partie 2 où il y a des questions encore plus croustillante. Moi ça me fait rire de répondre à ça et je trouve ça cool aussi parce que du coup ça casse un peu des tabous. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me follow sur Instagram et sur TikTok parce que bah j'ai pas d'argument, mais juste abonnez-vous également à ma chaîne YouTube parce que cette année je vais atteindre les 30K. Voilà, c'est mon seul argument. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.